dit wow, I love you bébé. Et dingue d'habillé, mais je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer pour toujours mon bébé. Oui, je vais t'aimer, t'aimer. Ça va, Dolo, Dolo, comment ça va? Ah, Dola, moule maman, Dolo, comment ça va? Je voudrais que, comme chez nous les Bétis, nous saluons toujours chaque étranger qui vient chez nous. Donc je vois les figures là que je ne connais pas. Je voudrais demander à ma famille, y compris M. l'abbé qui est le fils de la famille, de se lever pour aller dire bonjour aux gens qui sont assis en face. Je ne sais même pas ce qu'ils sont venus faire. Allons quand même les saluer. J'espère qu'on aura une cola pour eux. Merci. Au début, je croyais que vous êtes venu pour la messe. La messe était si agréable à entendre. Mais maintenant, vous continuez à rester là. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Dites-moi. Prenez la parole. Bonjour à l'assistance. Bonjour tout le monde. Mes chers parents, si vous nous voyez là, comme a dit vos pères, on n'est pas venu pour la messe. On est venu pour autre chose. Mais la messe était tellement bonne qu'on pouvait arrêter comme ça. Mais comme nous ne pouvons pas oublier notre objectif, je pense que maintenant on va passer à l'objectif. Vous voyez qu'elle vient de loin, je n'ai pas encore plus de souffle. Laissez-moi m'asseoir 5 minutes. Et là, je pourrais bien m'exprimer. Wimba mulema, eh.
d'autres objectifs. La messe était tellement bien qu'on pouvait s'arrêter là. Mais comme nous avons des objectifs, on va poursuivre l'objectif. Je veux passer le micro à celui que nous avons choisi pour être notre porte-parole. Il aura tout le temps de développer ce pourquoi nous sommes arrivés ici. Soyons attentifs, suivons-le. Autorité traditionnelle, autorité religieuse. Je n'oublierai pas les autorités judiciaires qui sont là, même si sur le plan protocolaire, on ne devrait pas parler de certaines choses ici. Notre père, Tesson Dobna Gayap, a bien voulu m'embarrasser comme il le fait là. Il me demande de porter la parole de la famille Sotona. Vous nous avez demandé, patriarche Kaninoa, de dire l'objet ou l'objectif de notre présence ici, je crois. Je voudrais d'abord dire la joie que la famille Sotona Gayap éprouve aujourd'hui en étant ici sur cette portion du territoire qu'on peut appeler Monaté. Cette joie qui nous a porté des hauts plateaux du Cameroun, très loin de l'ouest, pour nous amener dans la Lékié, est motivée par la chaleur, la grandeur, la magnificence de l'accueil que vous nous avez réservé. Je ne veux pas être long, je vous dirai tout simplement que nous serons comblés, bénis de Dieu, parce que nous sommes déjà très heureux, si vous nous donniez la pépite d'or, la fleur de lys, la suprême beauté que constitue l'une de vos filles qui est notre convoitise aujourd'hui. Donc, pour conclure, je vais résumer en disant c'est la beauté d'une fille de cette concession qui nous a sorti du très fond de chez nous. Merci. Mais je suis un peu gêné là. Quand vous venez prendre quelque chose d'aussi beau, d'aussi sublime, vous faites attendre tout ce beau monde. L'abbé est venu de ça, lui il est ici depuis ce matin. On ne vous a pas dit que ce genre de cérémonie commence ici à 8 heures. Vous venez à midi, voilà le feu, voilà le soleil qui nous brûle. Parlez alors. Vous avez évoqué le feu, vous avez évoqué le soleil. Laissez-moi me réjouir une fois de plus. J'aurais pu évoquer la longueur du voyage, que non. Chez nous, on dit que j'ai la communication. Traduction. Le chemin qui mène à ta bien-aimée n'est jamais long. Donc, je ne peux pas évoquer la longueur du chemin, non. Patriarche, considérez tout simplement que, et je vais vous donner, comme M. l'abbé nous l'a conseillé tout à l'heure, je vais vous donner quelques parties des locutions de chez nous. Chez nous, on dit Chancha Dimo Goro. C'est-à-dire la nourriture qui passe la nuit sur le feu est toujours bien cuite. Donc si notre nourriture passe encore beaucoup de temps sur le feu, c'est beau, c'est bien. C'est un plaisir pour nous. Donc nous n'étions pas en train de commettre une faute. Nous étions en train de donner les ingrédients pour que la fête soit belle, pour que la nourriture que nous sommes en train de préparer soit bien cuite et appétissante. C'est parce que la nourriture a mis longtemps au feu que... Bon, réveillez-les alors.
patriarche, honorable notable de la Léké, les mamans qui sont là maintenant ont raison, parce que la nature est rigoureuse. À l'église catholique que je fréquente, on a l'habitude de dire mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Dois-je encore le répéter, patriarche? Je supplie seulement mes mamans de passer par les cadeaux, parce que si nous présentons notre joie au grand public, un ennemi peut en profiter pour tirer notre porte-monnaie. Que les mamans nous envoient par les canaux normaux d'échange la punition qu'elles estiment être normale pour expier notre faute. Nous allons tout doucement faire le nécessaire sans le faire en public. Merci. On va prendre beaucoup de temps sans passer à l'essentiel. Je dis que ces mamans-là dorment. Elles ont besoin de quelque chose qui va sonner dans leurs oreilles pour qu'elles se réveillent. Sors cette chose-là. Nous ne faisons pas dans la cachotterie. Sortez ce qu'il y a pour réveiller les gens qui sont ici depuis 5 heures du matin. On va passer à l'essentiel. Parce que tel que le programme a été annoncé, nous prenons beaucoup de temps. On a l'habitude de dire, j'ai l'habitude de chanter. La mort est très sage. Parce que généralement chez nous, c'est le plus intelligent qui meurt. Et je chante souvent que la mort là est très sage. Quand on présente l'argent, la mort choisit toujours les pieds et laisse les pièces. J'aurais pu mettre beaucoup de pièces dans cette enveloppe. Mais vous comprenez que le pied étant mince, on ne peut pas voir. Donc voici ce que, même si ça ne fait pas le bruit, c'est quand même gros pour réveiller les mamans. Amen. Ce que j'entends des bas commence à se manifester. Bon, je n'avais pas commencé à te frayer dès le premier coup, mais sache que pour me prendre au sérieux, pour me prendre au sérieux. Bon, vous avez dit que vous venez chercher quoi? Une princesse. Ah bon? La fleur de lys. Donc c'est pour ça que... Une avec, sublime beauté. C'est pour ça qu'avec 2000 francs tu réveilles ses mamans. Non. Ce n'est pas ça le problème, patriarche. Très bien, asseyez-vous donc. Asseyez-vous. Vous dites que vous cherchez qui? Comment il s'appelle? Plus vite on verra, plus vite on... Ou bien vous avez déjà ébloui par la beauté. Elle s'appelle Toli, patriarche. Toli. Toli, Toli. Voilà Dolly. Voilà, va. C'est toi qui es parti chercher ces gens-là. Va, voilà, c'est là-bas. Non, s'il vous plaît, allô, s'il vous plaît, maman, attends un peu. Attends, ne viens pas juste ici. Attends. Non, ici. Attends. Ce n'est pas tel ici, s'il vous plaît. Ce n'est pas une erreur. Patriarche, il y a une erreur. Patriarche. Oui. Pourquoi?
papa. Viens en bas, dis bonjour à papa. Mon beau. Oui, Patriarche. Je commence à être un peu gêné. Vous êtes venu aimer ma fille, je vous l'envoie, vous la cherchez comme une malpropre. Là, ma chère Patriarche, on vient vous dire bonjour. Acceptez ce nom qu'on vient jusqu'à vous. Avec Goni. Acceptez ce nom qu'on vient jusqu'à vous, s'il vous plaît. Tout le monde remet de Goni, hein. Bon, acceptez seulement qu'on vient de jusqu'à vous. Venez, venez, je vous l'attends. Voilà. Nias. Donnez, tu vois les gens que tu es parti chercher qui viennent t'humilier là maintenant. Et la nouvelle Dolly, je ne me sens pas digne de vous recevoir. Veuillez rester aux côtés de papa et je serai heureux. Bon, je vous dis, restez, allez à l'école. On vous retourne maintenant comme des matins. Je veux l'ancienne Dolly, s'il vous plaît. Comme vous avez humilié la première Dolly, il y a une amende à payer. Et c'est comme ça. Quand vous venez chercher une princesse, soyez très précieux dans le comportement. Vous rejetez ma fille qui s'appelle Dolly devant les gens et puis vous venez la laisser comme ça, vous retournez. Non, Patriarche, on ne... La voici qui pleure alors. Elle pleure. Loin de... Ces larmes seront essuyées, Patriarche. Quand? Pour les... Au plus tard, immédiatement. Ah, voilà, allez-y donc, soyez expéditif. Soyez expéditif. J'envoie l'enfant. Je vous ai dit, je fréquente l'église catholique. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. Ok. Je vais voir ce qui correspond aux larmes de ma princesse. Mon frère, c'est toujours 2000, hein. Donnez. Viens alors, voilà, voilà. Ce que vous cherchez dehors, vous-même, vous allez trouver. Une nouvelle me vient là maintenant au téléphone. On dit que l'autre Dolly est soit en Europe, soit aux États-Unis. C'est toi qui as amené la nouvelle, non? Va alors, va parler là-bas. Coucou! J'ai l'impression que vous blaguez. Celles-ci sont alors des États-Unis. Mon bébé. Dolly! Aïe, aïe, aïe! Hein? Ça, c'est Marthe. C'est Casse-moi la démarche, tu cherches ton gars. Ça, c'est Marthe. Ça, c'est Marthe. C'est pas Dolly. Hein? Ça, c'est Marthe. Ça, c'est Dolly. Ça, c'est Marthe. Dolly, cherche ton gars. Ne me dérangez pas. Dolly cherche Christophe. Next. Montre. Ça, c'est une famille où on a 18 Christophe. Next. Patriarche, au secours. Soulève-moi ta tête, chérie. Dolly. Tiens, l'ancienne Dolly, là. L'ancienne Dolly. Oui. Je suis sûr du préjudice que j'ai porté à cette beauté pour la faire venir jusqu'ici. Mais croyez-moi, ce n'est pas ma Dolly. Et je lui paye le transport retour. Pour qu'elle aille rapidement pour qu'on m'amène ma Dolly. Le maire va la chercher ton gars. Aïe, aïe, aïe. Enfin, il faut mettre ma guitare. Ce n'est pas la blague. Le tour, si c'est le vrai tour. On passe mal les jets privés chez nous. Ouais. Vous allez seulement nous digérer, non? C'est une fois pour la vie, non? Hein? L'avion arrive.
Non, c'est un plophone. Un plophone, parce qu'en fait, même dans le noir, il connaît sa chose. La vie m'a dit, je vais l'être. Mon chéri, voilà ma fille que je te donne. Mon rayon de soleil, je te la donne. Sa maman l'a initiée, elle est bien formée. Pour les enfants, ne t'inquiète pas. Ma fille connaît. C'est une bombe, elle est gnagna. Regardez le lot de ma fille, les papas est solo. Regardez ma lady, elle est bien pensée. Hey! Nena, regardez ma diva, elle est gnagna. Je m'adresse à toi, oh mon beau fils. Tu as décidé de te marier avec ma fille. Alors il faut comprendre une chose. La femme est comme un bébé. C'est pas ce qui se passe ici. J'apprends que quelqu'un vient te demander en mariage. Je ne sais pas s'il y a consentement ou pas. Moi je suis là. Je n'aime pas boire la boisson sans la consommer. Viens me dire ici. Oh jeune homme, je te vois. Alors écoute ma vie. Tu as la carrière d'un boxeur. Hey. Alors, quand tu vas finir de la couler, de la malaxer. Au nom de toute la famille, Bokali de Yenmeyong, je prends la parole pour te demander que. Le bar qui est venu là, avec des boissons, des richesses et tout. Veux-tu que je boive ce qu'ils ont amené en signe de oui, je ne sais pas, sous la famille derrière moi. Nettoie-toi. Oh jeune homme, je te vois. Alors écoute ma vie.
Voilà ma fille que je te donne, Akoyanyan. Mon rayon de soleil, je te la donne, Akoyanyan. Ça m'a mal à initier, elle est bien formée. Pour les enfants, ne t'inquiète pas. Ma fille connaît préparer tous les mets. Ma fille est une bombe, elle est yang yang. I'm gonna go get some more.